Ça sert à rien de viser la lune en fait quand on n'a pas de fusée. Salut mamie, j'espère que vous ça va, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ma foi, des plus instructives. Il y a 6 mois je sortais cette vidéo, tout plaqué et parti en Corée du Sud. Et aujourd'hui je suis très heureuse avec vous de sortir l'épisode 1 de En route pour la Corée. Cet épisode il se centre autour de l'apprentissage du coréen, car vous n'êtes pas sans savoir qu'en attendant de partir en Corée, puisque je compte partir l'année prochaine, soit en 2022, je mets mon temps à profit pour l'apprentissage du coréen. Et en fait si j'ai eu l'idée de cette série, c'est parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de planifier un voyage en Corée, et moi c'est ce que je vais faire parce que je suis quelqu'un de très névrosé sur l'organisation. Et du coup ce premier épisode en fait il se centre autour de mon apprentissage du coréen, les moyens que j'utilise voilà à ma disposition, notamment l'application Rosetta Stone, mais d'autres moyens également. Mais il y aura d'autres épisodes en fait qui vont concerner ma recherche par exemple d'appartement quand j'irai en Corée, voilà, où je vais aller, les points que je veux visiter, les lieux culturels que je veux visiter, mon budget, etc. Enfin bref, toute cette préparation en fait du voyage fera l'objet de cette série. Et aujourd'hui épisode 1, mon apprentissage du coréen. Donc voilà, surtout restez jusqu'à la fin parce que je vais sûrement répondre à toutes vos interrogations. Et il y a un petit timecode qui sera sur la vidéo pour savoir de quoi je parle à quel moment. Du coup sur cette partie je vais vous présenter les 3 moyens que j'utilise pour apprendre le coréen, en espérant que peut-être ça vous donne des inspirations. Mon premier moyen c'est l'écriture et la lecture du coréen, purement et simplement. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends des chansons de K-pop, comme ça ça mélange l'utile à l'agréable, je les écris, comme ça ça me fait choper la calligraphie, enfin le style d'écriture coréen, et ensuite je m'entraîne à les traduire par rapport au son phonétique que cela fait. C'est vraiment des exercices très bateaux et très simples, comme quand on est au CP, enfin quand on est dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture d'une langue, et à force et à force de le faire, ça m'aide tout simplement à m'approprier encore une fois la langue. Ensuite mon deuxième moyen c'est de travailler à l'aide d'un cahier qui s'appelle Assimile. La grammaire, l'orthographe, tout ça, ça ne s'improvise pas, donc du coup ce cahier il est vraiment bien fait pour l'apprendre. Et enfin mon dernier moyen c'est l'application Rosetta Stone. J'utilise vraiment cette application pour m'exercer de manière orale, prononcer des mots, la diction, etc, les accents, avec des sessions en fait qui sont prévues par l'application de 10 minutes d'apprentissage, bien sûr vous pouvez en faire plus, de la lecture d'histoire, des entraînements audio à répétition, bref je vous en parlerai plus tard. Du coup voilà, ça c'était la présentation des 3 moyens que j'utilise. Et juste avant de vous les présenter, j'aimerais revenir sur un point qui me semble essentiel concernant l'apprentissage d'une langue quelle qu'elle soit, ici le coréen. Va falloir que vous soyez organisés les gars. Vraiment, il n'y a pas d'autre clé, l'organisation est maître mot d'un apprentissage. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous comme moi, on a tous et toutes les meilleures volontés du monde à vouloir apprendre le coréen. Cependant, même si vous êtes très 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 motivé, vous allez toujours finir par rencontrer des obstacles, parce que apprendre une langue, ça demande beaucoup de temps, de ténacité, de rigueur, de patience. Et donc vous allez être mis à rude épreuve à un moment ou à un autre. Avoir une organisation, c'est anticiper ces obstacles. Après, je vous dis pas du tout que faut bosser tout le temps énormément, justement au contraire. Choper une organisation qui vous plaît. Une organisation pour que quand vous vous posiez dans la semaine pour travailler, ce soit pas un fardeau, ce soit pas une tâche à faire comme un devoir pénible, mais un temps que vous accordez pour vous. Et surtout, une organisation n'est jamais infaillible dans le temps, enfin vous pouvez toujours la modifier. Je vais vous présenter mon organisation, mais sachez que ça m'a demandé des mois avant de la trouver, et peut-être qu'elle va encore évoluer dans le temps. Du coup, mon organisation, quelle est-elle? Les 3 moyens en fait que je vous ai présentés, je les utilise un jour par semaine. Un jour par semaine, j'écris et je lis du coréen. Le deuxième jour où je travaille, je le fais avec le cahier Assimile. Et enfin, le troisième jour où je travaille, je le fais avec l'application Rosetta Stone, grâce à laquelle j'apprends du vocabulaire de base, des expressions, je répète à voix haute, tout ça tout ça. Donc j'espère que mon organisation pourra inspirer certains et certaines d'entre vous, c'est le but de cette vidéo. Se faire plaisir en apprenant, c'est ce qui permet que ça tienne sur la durée et que ça marche. Parce que croyez-moi, il y en a des obstacles. Du coup tout de suite, mon premier moyen, écrire et lire le coréen. Transition. Juste pour vous expliquer rapidement, écrire le coréen, choper la calligraphie, vous ne pourrez pas l'inventer vous-même. Il y a un alphabet spécifique, il y a des consonnes, il y a des voyelles, faut les apprendre, faut les écrire et faut savoir comment les prononcer. Moi j'ai vraiment passé des heures à écrire l'alphabet, mais vraiment encore et encore et encore pour me familiariser avec. Donc vraiment que j'écrive, donc là vous voyez c'est mon petit tableau, par exemple des consonnes, mais ça passe vraiment beaucoup par l'écrit. C'est vraiment un apprentissage qui me fait gagner du temps, qui est cool. En plus, j'apprends des chansons que j'adore, je comprends les significations pour peu que j'aille chercher les mots, etc. Du coup voilà, je vous ai montré les chansons que j'ai faites sur un mois, puisque comme je vous ai dit, je le fais une fois par semaine, ce travail-là. Et là, du coup, je vais en écrire une autre.
Du coup, là, je viens de finir d'écrire. En tout, ça m'aura pris quand même une heure, cette histoire. Par contre, on voit vraiment pas le temps passer. Et du coup, j'ai enfin drank dazed. Ensuite, mon deuxième moyen, bosser sur mon cahier A6000. Et moi, ce cahier, c'est le parfait compromis. Parce qu'il y a les informations nécessaires, et en plus... c'est ludique. Le cahier A6000, c'est donc un cahier pour apprendre le coréen pour débutants. Il est à 9,90€. Dedans, vous aurez tout type d'exercices, 130, avec des jeux, des QCM, des exercices à trous, bref, beaucoup de choses. Vous aurez également, bien évidemment, des encarts de leçons pour vous apprendre les notions que vous appliquerez ensuite dans des exercices divers. C'est vraiment un cahier qui est adapté pour les débutants, donc je vous le recommande vivement, et vous avez les solutions à la fin pour tous les exercices. Bah, je voulais grave me poser dans un endroit cute et tout et différent de ma chambre pour vous parler de Rosetta Stone, mais bah, tout est moche et ça m'a isolée, donc on va aller dans ma chambre. J'ai une lampe couchée de soleil, là ça se voit pas tellement mais... aïe aïe aïe. Bien, nous revoici, nous revoilà pour vous parler de mon dernier moyen grâce auquel j'apprends le coréen, l'application Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une application d'apprentissage des langues. Il y en a plusieurs, ce sera affiché ici et là en même temps. Me demandez pas pourquoi, c'est un kiff personnel. Forcément, application disponible sur votre PhoneTel. ASMR. Grâce à cette application, vous pourrez apprendre toutes les langues que vous souhaitez, et notamment le coréen, quel que soit votre niveau. En effet, vous n'êtes pas obligé d'arriver débutant sur cette application, vous pouvez être tout à fait intermédiaire, voire... compétent, j'allais dire, et maintenir simplement vos connaissances. Donc ça déjà c'est très cool. C'est une application immersive, ça vous allez le voir quand je vais vous le montrer, c'est-à-dire que tout est dans la langue que vous apprenez. Il n'y a pas un repère que vous aurez dans votre langue maternelle lors de l'apprentissage. Ça peut faire bizarre en approche, mais c'est ce qui fait que vous allez progresser plus vite parce que votre cerveau va devoir faire des connectiques tout seul avec ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc forcément il y aura des erreurs, mais est-ce que c'est pas grâce aux erreurs que... on apprend? Débat philosophique en pleine promo d'une application, on n'a jamais vu ça. Grâce à un petit lien aux oignons tout fait maison, vous avez des petites offres très sympas, dont une offre à vie super cool en ce moment, qui vous offre la possibilité d'avoir un accès à toutes les langues et d'utiliser l'application autant d'heures que vous le voulez, par jour, par semaine, par mois, par an, pour apprendre des langues. C'est 30 jours satisfaits ou remboursés, donc... maintenant, passons à l'utilisation. Je suis flux. Attendez, je vais faire la macro avec mon pied. Oh, c'est immonde. Du coup, nous voilà rendus avec mon petit téléphone pour comment j'utilise l'application. Syntaxiquement, cette phrase ne veut rien dire. Alors, quand vous arrivez sur l'application et que vous avez choisi votre niveau dans la langue que vous souhaitez étudier, vous allez avoir tout un panel d'unités. Unité pour commencer, donc les bases. Vous allez avoir les salutations et présentations, le travail et l'école, les achats, les voyages, le passé et l'avenir, les amis. Bref, vous allez avoir beaucoup de thématiques et de sujets abordés dans cette application pour apprendre le coréen. Ce qui est cool dans cette application, c'est que vous pouvez changer d'un thème à un autre, d'un sujet à un autre selon vos envies, vos besoins. Vous n'êtes pas cantonné du tout à suivre un programme précis en fait. Vous pouvez vraiment divaguer à votre bon vouloir. Ce sentiment de liberté fait fort plaisir en fait. Comme ça, les jours où vous avez envie de vous plonger un peu à bras le corps dans voilà, les commencements, les bases nécessaires, vous faites l'unité 1. Et si vous avez envie de faire juste des présentations, du vocabulaire, de nourriture, d'amis, de voyage, faites donc. Et ensuite, deux autres trucs que j'apprécie beaucoup dans cette application, c'est dans l'onglet formation avancée, c'est histoire et compagnon audio. Avec vous, je vais refaire la première leçon, comme ça bah, vous savez vraiment ce qu'il en est si vous prenez l'application pour apprendre le coréen. Et on va voir ensemble comment ça s'utilise. Vous allez voir, il y a plein d'exercices différents au sein d'une session, parce que oui, ce sont des sessions de 10 minutes à chaque fois. Et ça aussi c'est quelque chose de sympathique, c'est que si vous avez envie de faire juste 10 minutes de travail, vous en faites 10 minutes, et bah, si vous avez envie d'en faire plus... bref, cessons la parlotte, démarrons l'apprentissage. 안녕하세요. 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 Donc là, on a commencé avec un exercice de répétition, comme vous pouvez le voir, avec le fameux... sur l'application, avec certains exercices, vous allez pouvoir vous enregistrer, enfin, votre voix va être enregistrée et va être analysée pour voir si elle correspond bien aux tonalités, à l'accent, à la prononciation coréenne. Assurez-vous donc, quand vous utilisez l'application, d'être dans un endroit un peu isolé où il n'y a pas trop de bruit, où vous pouvez être au calme, déjà vous, pour entendre, mais surtout pour répéter, parce que si vous avez des bruits parasites, ça va être un peu compliqué. Là, comme je vous l'ai dit, on n'a toujours pas d'indication sur les mots qu'on nous apprend. Du coup, je ne vous apprends rien, en fait, c'est votre petit cerveau qui va regardez ce qu'il s'est passé avant. Sur ce qui s'est passé avant, on voit que le dessin de la petite fille, on nous dit... et sur le dessin avec un petit garçon, on entend... en bas, on a encore deux photos d'un petit garçon et d'une petite fille, donc il suffit juste d'assembler. Et on sait du coup que ça veut dire petit garçon, Namjaï, et du coup que Yojaï sont les filles. Donc là, on a quel mot? Yojaï. Yojaï. Juice. Juice.
Donc là, on a le petit mot juice, qui veut dire, comme vous le voyez par l'image, jus. Du coup, forcément, vous choisissez l'image qui ressemble à un juice. Ici, c'est celle du milieu. Oui, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je répète toujours les mots, tous les mots que j'apprends, même quand ils n'enregistrent pas ma voix, je le fais. Ça m'entraîne comme ça, le moment où ils me le demandent, je suis présent dans le game. Donc cha, le thé. Moule. C'est l'eau moule. Boule. Juice. Juice. Cha. Cha. Moule. Moule. Ça me fait trop rire quand je m'entraîne sur la prononciation de mots avec l'application, parce qu'en fait je répète des petits mots pétés, enfin courants, usuels, je répète pas des phrases, je fais pas des dissertations, mais je me sens trop fraîche. Parce que ça c'est important, prenez votre meilleur accent quand vous parlez, ça sert à rien de vous opprimer et de pas lâcher votre meilleur accent. C'est comme parler anglais et garder un pur accent français parce que vous avez peur de sortir votre bête d'accent américain. Parce que si vous voulez glow up du « les seuls mots que je sais dire en coréen à peu près bien, ce sont les mots que j'entends dans un drama », genre ça. Ah, et donc toi tu parles coréen toi? Bah un peu, mais tu sais vraiment les bases. Bah vas-y, vas-y, parle-nous coréen, enfin parle-moi coréen. Ok, ok. Kenshana. Hajima. Juliette et Nida. Kamsam Nida. Annie. Annyeonghaseyo. Mais c'est incroyable, elle est bilingue. Elle est bilingue, monsieur dame. Elle est bilingue. Arrête. Hajima. Pour risquer de finir par un jour tomber sur une personne qui parle couramment coréen et être dans cette situation. So I've just heard that you can actually speak Korean. That's amazing. Yeah, yeah, right, but you know, just the basis, like, not fluently, but the basis I. 좋아. 그럼 한국어로 자기 소개해보는 건 어때? 내 이름은 은호야. 너는? 안녕하세요. 하지마. 남자 아이가 밥을 먹어요. Donc là, dans quelle situation sommes-nous, les amis? Qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis? Si on regarde l'illustration au-dessus, en fait, vous avez deux choses qui diffèrent. Vous avez une petite fille qui semble manger, et une petite fille qui boit de l'eau. Un jus. Je sais. En bas, vous avez la même chose. Vous avez un petit garçon qui mange, goulûment, et un petit garçon qui boit de l'eau. On reclique sur les images, comme pour la fois précédente. 여자아이가 밥을 먹어요. 여자아이가 밥을 먹어요. Donc ça, c'est la petite fille est en train de manger. 여자아이가 주스를 마셔요. Donc ça, c'est la petite fille est en train de boire. Du coup, pour le petit garçon, 남자아이가 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. Manger. Du coup, on clique sur... Eh ouais. 남자아이가 물을 마셔요. Forcément, c'est lui où il boit. 여자아이가 주스를 마셔요. 여자아이가 주스를 마셔요. 남자아이가 물을 마셔요. 남자아이가 밥을 먹어요. Du coup, comme vous pouvez le voir sur juste une leçon, là la première, vous allez avoir différents exercices. Prononciation, assemblage de mots à des images, des contextes, des situations. Et après, toutes les petites choses que vous aurez apprises durant la leçon, en fait, elles vont être enfilacées les unes aux autres, que vous les travaillez tout du long, que ce soit la prononciation ou la reconnaissance de situation. Et ça, c'est vraiment cool, parce que vous n'êtes pas toujours sur le même type d'exercice, ce qui fait que c'est dynamique et beaucoup plus ludique. Et enfin, pour varier les plaisirs et pour changer de vos sessions de 10 minutes voilà, de programmes spéciaux oraux, vous avez mes deux poteaux que je vais vous présenter, à savoir les histoires et le guide audio dans la formation avancée. Ça, c'est vraiment les petites pépites. Ça va être des histoires de 4 minutes, de 5 minutes ou même un peu de plus parfois. Je trouve que c'est super sympa parce que ça met en application tout ce que vous apprenez. Et pour peu que, comme moi, vous appreniez à lire et écrire le coréen à côté, et que vous apprenez la prononciation via l'application, vous pouvez vraiment tout mettre en symbiose et vérifier vous-même bah, là où vous en êtes. Et du coup, typiquement, ça peut vous entraîner à lire. Par exemple là, si je lis avec ma fluidité légendaire. 남자가 걸어요. 남자가 걸어요. 해는 노란색 광기예요. 남자가 걸어요. 불이 노란색이에요. 남가 없어요. 굳이 없어요. 물이 없어요. 남자가 걸어요. 남자가 걸어요. Et donc vous êtes là, vous lisez votre petite histoire, et en fait ce qui est trop bien, c'est que vous avez un onglet audio de littéralement quelqu'un qui vous lit l'histoire en coréen. Comme ça vous pouvez checker si vous bah, lisez bien, si vous avez la bonne prononciation, etc. 남자가 걸어요. 해는 노란색 공이에요. 남자가 걸어요. En plus ça vous fait petite option berceuse pour les gens qui veulent dormir le soir, voilà, si vous avez personne pour vous raconter des histoires comme... Comme moi. Et enfin, vous avez le compagnon audio. Et le compagnon audio, en fait, je trouve que c'est un peu un récapitulatif de tout ce que vous pourrez apprendre. Ça fait très Mario Kart, vous allez voir quand ça commence. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 여자들. 여자들. 남자아이가 밥을 먹어요.
남자아이가 밥을 먹어요. Et des répétitions comme ça de mots, vous allez en avoir sans cesse par unité. Donc il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer les gars. Et encore une fois, ça vous fait un truc de plus pour diversifier votre apprentissage. En plus des unités voilà, qui sont prévues à la base avec les programmes oraux spécifiques. En plus des histoires, vous avez le petit compagnon audio. Voilà comment j'utilise l'application Rosetta Stone. Et comment je vous invite à l'utiliser si vous avez envie de varier les plaisirs en apprenant une langue. Pour finir cette vidéo, voilà, je voulais juste vous parler de mes impressions et de mes ressentis après un mois d'apprentissage du sud-coréen avec tous les moyens dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Il y a des moments en fait qui sont plus faciles que d'autres, des moments où on est plus dans le mood que l'autre pour travailler et c'est pas constant en fait. Il y a toujours des moments de flottement, il y a des moments où on stagne dans l'apprentissage où du coup ben, on n'est pas hyper motivé, on n'est pas confiant parce qu'on a l'impression qu'on n'évolue pas. Sauf que voilà, faut retenir qu'on part tous d'une base bon différente, mais à la base on part de rien. Donc on va pas pouvoir taper nos meilleurs dissertes tout de suite, même en un an, en deux ans d'apprentissage. Donc ayez confiance en vous surtout, créez votre routine qui vous fait plaisir, qui vous donne envie d'apprendre, et voilà, y'a que ça de vrai. Sur ce, je vous fais un gros bisou les copains, j'espère que la vidéo vous aura apporté les réponses que vous attendiez par rapport à l'utilisation de l'application, mais aussi des autres moyens que j'utilisais. Je vous fais un gros bisou et à très vite pour un épisode 2 de En route pour la Corée. Ciao ciao.